il nous fallait une idée très forte. Et donc, grâce à la Tour Eiffel, finalement, on a réussi à intégrer 18 grammes de fer d'origine de la Tour Eiffel de 1889. Donc, chaque athlète médaillé va ramener chez lui à la fois une médaille olympique ou paralympique, mais aussi un bout de Tour Eiffel d'origine. Donc, c'est une idée incroyable qui est à la fois qui montre le côté sublime et esthétique exceptionnel de cette médaille, mais aussi qui porte un message très fort et on est très fiers de ça. Bonjour Antoine. Nous avons effectivement décidé de traiter cet objet, cette médaille, comme un bijou. Et vous voyez, le morceau de Tour Eiffel en question est serti comme un diamant peut l'être sur un grand bijou de la Maison Chaumet. Et tout le projet a été réfléchi comme cela, comme une grande commande spéciale pour un client exceptionnel. C'est une motivation supplémentaire. J'en parlais tout à l'heure, on fait beaucoup de préparation mentale. Clairement, en imagerie, on va penser à cette médaille maintenant. Et voilà, c'est du bonus et on est très privilégiés d'avoir pu les voir d'aussi près. Et voilà, maintenant, on se projette avec beaucoup d'ambition pour les porter. Je trouve en fait que ça représente encore une fois tellement bien la France. En fait, ça représente toutes nos valeurs, tout ce qu'on sait faire. Et ça le remet dans une médaille qui, dans tous les cas, la médaille olympique est un bijou pour chaque athlète. Du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif.